Bonjour, also, chers Heute äh, Teil 2 Fortsetzung meines Kinderbuches, äh, das äh, jeder lesen darf. Meines bilingualen Kinderbuches. Jonas steht nicht mehr auf. Jonas ne se lève plus. Ich lese auf Französisch und im Flipchart erscheint dann die deutsche Übersetzung. Ähm, am Anfang war so: Jonas. Hat sich geweigert, aufzustehen. Mama hat alles versucht. Zum Schluss, ähm, ja, der will nie, nie wieder aufstehen und er will nicht aufstehen und nie wieder in die Schule gehen. Zum Schluss kommt der Opa und der Opa macht sich natürlich Gedanken und dann fragt der Opa, das war der letzte Satz äh, von, vom ersten Teil, er fragt: äh, Dis donc, est-ce que ça a quelque chose à voir avec le Chien? <laughs> Jonas fait oui de la tête. Ah, je m'en doutais, dit bon papa, je m'en doutais. Et Jonas, Jonas, c'était mon meilleur ami, dit-il, et il commence à pleurer. Eh oui, dit bon papa, oui, c'était visible. Et Jonas dit bon papa, il, il y avait il n'y avait qu'avec lui que j'avais pas peur. Ah bon? Oui, bon papa, j'ai peur, j'ai peur, j'ai peur de tout, tout le temps, je suis un trouillard, je voudrais être comme Tim. Tim, qui est-ce Tim? C'est un de ma classe, il n'a jamais peur. Ah, ça, je ne crois pas, on est tous peureux. Heureusement, bah, imagine ce qui se passerait si on n'avait pas peur euh, pff, des serpents venimeux ou des lions, ou des falaises sans garde-fou. On serait déjà tous morts. Tim a certainement peur, je sais pas, moi, euh, des araignées, euh, ou alors de se promener tout seul, la nuit dans la forêt, ou des gros chiens noirs. Non, bon papa. Il n'a jamais peur. Baba croisa les mains derrière la nuque, sourit au plafond, croisa les pieds et demanda C'est lui qui le dit? Non, il ne le dit pas. Mmh. Tu lui as demandé s'il n'avait jamais peur? Non, répondit Jonas. Je le vois. Hein Qu'est-ce que tu vois exactement? eh bien, eh ben, par exemple, par exemple, il est, il est insolent avec les grandes personnes à l'école, et ou avec le chauffeur de bus, et, et avec les grands du collège, tu sais, on, on partage la cour de récréation avec eux. eh bien, il est super insolent alors. Mmh. il me donne l'impression d'être un enfant énervant, dit bon papa. mais raconte, raconte papa, la semaine dernière, pendant la pause, il a dit à un grand de troisième d'arrêter de fumer parce que ça sent pas bon. L'autre, le grand, il était presque aussi grand que papa. Il s'est penché vers Tim et il lui a dit bah, "Qu'est-ce que tu veux, Minus Va jouer avec tes Lego." Alors Tim, il l'a averti. Il lui a dit comme ça, en agitant le doigt. Le doigt. Il lui a dit "Fais gaffe." Je suis brutal. Les autres grands, ils ont rigolé. Mais le grand qui fumait, il a un peu souri, il a fait comme ça, avec les épaules, il a jeté sa cigarette par terre, il l'a écrasé avec le pied. Et alors, les autres grands, eh ben, ils ont applaudi, et une fille, elle a dit Nico, je t'épouse, et elle lui a donné un baiser sur la bouche. Bah... Bon papa éclata de rire. Le lit sur lequel ils étaient couchés se mit à trembler. Bon papa tapait des pieds sur le lit. Le lit sautait dans tous les sens. Le rire de Bon papa était tellement contagieux que Jonas se mit à rire aussi, même s'il ne savait pas pourquoi Bon papa riait autant. Après avoir ri, Bon papa demanda à Jonas si Tim se battait souvent avec les autres enfants. Jonas dit qu'il l'avait fait une fois, et ensuite plus personne dans la classe n'avait osé embêter Tim, parce que euh, l'autre enfant avait saigné du nez très fort. Bon papa voulut aussi savoir des choses sur la famille de Tim, mais Jonas ne savait rien là-dessus. Bon papa demanda. Tu l'aimes? Jonas hésita un peu avant de répondre. En fait, oui. Est-ce que tu l'aimes parce qu'il te fait peur? Ça arrive qu'on aime des gens qui vous font peur. C'est bizarre, mais ça arrive. Et même assez souvent, dit mon papa. Jonas réfléchit. Au début, je l'aimais pas du tout. J'aime pas les gens qui me font peur. Ça veut dire que j'aime presque personne. Sa voix était triste. Bon papa vit qu'il faisait des efforts pour ne pas pleurer. C'est normal et c'est sain, dit bon papa. C'est pareil pour moi. Je déteste les gens dont j'ai peur. C'est une réaction tout à fait naturelle. Ah bon? Ah bon, mais tu, tu as dit sou tu, tu as dit que souvent. On aime les gens qui vous font peur. Euh, oui, c'est comme ça, c'est comme ça, qu'est le monde, tu vois, il est comme ci et comme ça, et aussi le contraire. Ah Alors, alors, je suis normal comme toi Mais certainement, mon grand, tu es tout à fait normal dans ta petite poire, dans la petite poire qui te sert de tête, dit mon papa en tapotant le crâne de Jonas. Mais dis donc, reprit bon papa au bout de quelques secondes, tu m'as dit que tu aimais bien Tim, bien que, bien que tu n'aies pas pu le supporter au début. Oui. Oui. Oui, parce que. Oui, parce que. Et Jonas recommença à pleurer. Quand Oscar est mort, j'étais dehors sur le banc devant le garage, et je pleurais. Jim, il est passé devant la maison et il m'a vu et il a dit, bah, qu'est-ce qu'il y a Qu'est-ce que t'as chialé comme ça alors, alors, je lui ai dit qu'Oscar, il était mort. Il a dit, Oscar, c'est qui Et alors, je lui ai dit que, que c'était mon chien. Alors, il a sauté par-dessus le Persil et il est venu s'asseoir à côté de moi et après, on a pleuré ensemble. On a pleuré ensemble sur le banc devant le garage. Très intéressant, dit bon papa. C'est un garçon sensible. Tu veux l'inviter à goûter ici après l'école Jonas secoua la tête. Ou rue Mozart Non, en allemand rue Mozart, en français rue Mozart, bien sûr. Ou rue Mozart euh, Rue Mozart, c'est là qu'habitait bon papa. Non, répondit Jonas. Tu sais bien, je, je me lève plus. Ah oui, c'est vrai, où avais-je la tête répondit bon papa. Ils ne dirent rien pendant un certain temps. À un moment, bon papa demanda Tu crois que je l'aimerais Tim Oui. Euh, si t'as pas peur de lui, peut-être, dit Jonas. À ton avis, j'aurais peur de lui Jonas se gratta le crâne. Non, tu es vieux. Lui il est petit. T'as pas peur des petits enfants. Bon papa fit oui de la tête. Ensuite il se leva. Jonas demanda. Hé. Hey, où, où tu vas? À la cuisine, chercher de l'eau. J'ai soif. Mais tu reviens ensuite, hein? Bien sûr, répondit bon papa, bien sûr. Chapitre 3. Un peu plus tard, maman appelle du bureau et demande à bon papa s'il pourrait téléphoner à l'école pour informer madame parent tardif, vu que elle, maman, elle n'a pas eu une seconde à elle et maintenant elle a de nouveau une réunion et elle ne sait pas combien de temps ça va durer. Bon papa note le numéro sur un petit calepin qui se trouve toujours près du téléphone. Et demande à Jonas s'il doit dire à Madame Parentardif ou à la directrice que lui, Jonas, ne veut plus se lever et ne plus jamais aller à l'école. Jonas ne sait pas trop. Bon, dit bon papa, mais dans ce cas, euh, je dirai ce que je veux. Et là-dessus, il compose le numéro de l'école sur le téléphone sans fil. So, rendez-vous. A la prochaine fois pour la troisième partie, Treffpunkt für, das, für den dritten Teil. Ja, und ich freue mich sehr, wenn du meine Videos teilst, kommentierst und meine Webseite besuchst. Und wenn du nicht verpassen möchtest, abonniere doch. Ich würde mich sehr freuen. Und wenn du Fragen hast, ich mag Fragen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.